I'm not saying the petition is the reason why we got all these packs. All I want to say in this video is, well, we have gotten two incredible gifts, one premium ticket, choose a 5-star, and one seasonal, choose a 5-star ticket. And I just want to address a couple points that seem a little bit weird. I'm just going to leave it to you and your opinion, but hear me out. So on Discord, it was on Monday, the Desert Society pack ticket has been determined on Monday. We had it posted on the BBS News channel since Monday morning. It was in the database of the game, so we've been able to retrieve that information. When I say we, I mean Soldex. And, I mean, this ticket, the two tickets, those two, the Brave Soul United campaign, is something that was only added to the database today, and especially 1 hour before the daily reset. So just an hour before daily reset, this has been added to the game data. Now, the Desert Society ticket dropped like every other ticket on banner release reset, at the same time as the banner. So really, for that ticket, for those two tickets, KLab has completely gone out of their way with these two, releasing them without a single notice, completely unannounced, completely unexpected. I mean, the whole situation with what's going on in the world, healthily speaking, is, not to name it, has been around for a while. So, I mean, why now? What about this timing? And the reason why I'm saying this is, had they announced these two tickets on Monday, when they also announced the Desert Society banner, nobody in their right mind would have said anything about the premium to exclusive ratio in the game. Nobody would have said anything. They would have just praised KLab, saying, you know what, they are, okay, it's a new theme, it's cool, they're being generous, look at this, they're giving us two choose a 5-star tickets, it's crazy good, everybody would be just very happy about it. If that had been announced at the same time, nobody would have said anything about the situation. I created a petition yesterday, yesterday, and got close to 2,000 views, let me just see, yesterday, end of the day. So it was 5 p.m. for me, it is now 9 p.m. here, so literally a little bit over 24 hours. The petition now has close to 2,000 signatures. And surprisingly, we've gotten those two packs right now, today, this afternoon, after reset. So, I mean, again, I'm not saying look at me, I did a great thing and now we're all benefiting from it, it's amazing. It could very well be just a coincidence, but at the same time, well, you've gotten those points. And again, if they had announced the ticket a little bit early on, when they announced the Desert Society banner, people would have been very fine and would have not said anything and kept praising KLab. So this is it. I'm just leaving it to your, I'm just giving you guys some food for thoughts. Let me know what you think in the comments below. Regardless of anyone's opinion, we are all benefiting from this, which is a good thing. And that's all I can say. Don't forget to subscribe to your channel and I'll see you next time. Cheers. Salut amis. Alors, tout d'abord, je tiens à ce que je sois clair. Je ne suis absolument pas en train de dire, regardez, j'ai lancé une pétition, hop, 24 heures plus tard, regardez ce qui nous arrive. C'est peut-être une simple coïncidence fortuite que littéralement 24 heures après que j'ai lancé la pétition, même pas moins, j'ai lancé la pétition à... où est-ce que c'était? J'ai lancé la pétition à 17h43 hier
Et les tickets sont sortis aujourd'hui à 16h, heure de reset pour moi, 16h de l'après-midi. Donc oui. Donc peut-être que ce n'est qu'une simple coïncidence. Je suis pas en train de dire que j'ai fait quoi que ce soit. Loin de moi cette idée. Cependant, quelques points que j'aimerais aborder. Le ticket pour la Desert Society. Le Desert Society avait été datamined par Soldex depuis déjà lundi. Lundi, quand la bannière avait été annoncée officiellement dans le jeu. On voit bien, lundi matin. Ces deux tickets cadeaux ont été trouvés dans le code par Soldex uniquement. Ça a été trouvé que aujourd'hui, à 1 heure du reset. Je le cherchais. Où est-ce que c'est? À 1 heure seulement du reset. Voilà, on le voit ici. C'était à 11h49 du matin. Non, que dis-je? Un petit peu plus avant. Mais les deux tickets ont été trouvés dans le code un petit peu avant le reset. C'est le ticket Desert Society, lui, en revanche, il est tombé au même moment. Où est-ce qu'il est? Il est tombé au même moment que la bannière. Pile poil à l'heure du reset, paf, le ticket est tombé dans le jeu. Et donc, les deux tickets gratuits, Kaylab est un petit peu sorti de ses habitudes, même complètement. Kaylab ne nous donne jamais ce genre de ticket, sorti de nulle part, en plein daily reset, et surtout sans que ce soit dans le code déjà en avance. Puisque leur ticket qui était prévu, puisque les bannières sont prévues longtemps à l'avance, leur ticket qui était bien prévu, eh ben, il était déjà bien présent dans le code depuis belle lurette, depuis le lundi. Voilà. Et celui-là, c'est enfin ces deux tickets sortis de nulle part, voilà. D'autre part, la situation avec ce qui se passe de manière sanitaire dans le monde, pour ne pas citer le nom de ce qui se passe, eh ben, c'est pas quelque chose de tout récent. C'est pas comme si ça venait d'arriver et que Kaylab s'est dit, tiens, c'est quoi, on va faire un petit geste pour la communauté. Non, pas du tout. C'est là, ça fait déjà un petit moment que c'est là. Et donc, ils auraient très bien pu nous balancer ces tickets depuis potentiellement un mois. Ils auraient pu nous le balancer à n'importe quel moment. Ils auraient pu nous le balancer pendant la bannière des TGW. Des romans fin de mois dernier. Voilà. Cependant, ils nous l'ont balancé là, juste là, 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 maintenant. Et qui plus est, s'ils nous avaient annoncé l'arrivée de ces tickets qui ne sont pas liés à la Desert Society, c'est-à-dire qu'ils auraient pu très bien les annoncer à n'importe quel moment, s'ils nous les avaient annoncés en même temps que les bannières de Desert Society, qui aurait dit quoi que ce soit à propos de la situation du fait qu'on a des bannières exclusives, sans le moindre répit de bannières premium. Qui aurait dit quoi que ce soit? Personne. Tout le monde se serait dit, ah ben dis donc, ça c'est généreux de la part de Kaylab. Bon, d'accord, c'est pas cool qu'on ait encore une bannière exclusive, mais regardez, on a deux 5 étoiles garanties qui sont un saisonnier et un premium. C'est plutôt cool. Et ça va jusqu'au perso récent, on a des Koga dans la poule, etc. Eh ben, pourquoi est-ce qu'ils ont laissé le tollé monter, la gronde s'élever, alors que les tickets étaient déjà prêts? Enfin, je pense, déjà prêt. Quoi qu'il en soit, coïncidence peut-être, fortuite, j'en sais rien, mais 24 heures après la pétition, paf! Kaylab qui sort de manière lunaire, sorti de nulle part, deux tickets gratuits, chose qu'ils n'avaient jamais faite, sachant que ce genre de tickets, ils nous les ont vendus pour 80 balles lors des anniversaires. C'était l'anniversaire, je crois que c'était pour Nouvel An. Ils les avaient vendus individuellement à 80 balles, 80 et 49 balles, genre des hors de prix, comme ça, pour le même format, les mêmes choses en fait. Et là, paf, ils nous les donnent gratuitement. Et il va y avoir d'autres choses aussi. Voilà, écoutez, je vous laisse à votre opinion là-dessus. Je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit, je n'aurai pas la prétention de le dire. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'opinion là-dessus, on est tous dans la même situation là. On bénéficie de deux tickets gratuits qui sont plutôt bons, plutôt généreux. Et donc, il faut dire merci, il faut savoir dire merci quand même. Voilà. C'était juste pour présenter quelques éléments par rapport à la situation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à plus dans les prochaines vidéos. Ça fait un peu dépressif là. Allez, tchuss!